géographie poétique des acronymes. La délégation virtuelle du poème des mémoires tourne et retourne au centre médico-social du Châtelet. Dans les paroles des AS et des secrétaires et des puéricultrices et de la pédiatre et des stagiaires. Et dans les paroles des hommes rassemblés ici même, c'était l'idée d'une AS, rassembler des hommes, solliciter des mémoires d'hommes, de pères, de ce qui manque tant, disent-elles. La délégation virtuelle du poème ira dans le groupe de parole, le groupe de parents, le groupe de théâtre, le groupe de parlants. Pour ça, elle descendra à la Rège, et puis elle remontera comme un poisson à la bibliothèque bocale des livres conservés, franchira la vitrine qui la sépare de la maison du plateau, autre bocale des vivres en instance. Elle s'arrêtera dans la Rome déchue de Dubélé, à Solidarité Plateau et à l'équipage. Elle tournera autour des églises décentrées et devant la mosquée en contrebas, elle s'arrêtera à l'Apmar et à la CAF et elle approchera à pas maladroit la Rime, la Sifa, la Cédi. On dirait des monts. Ce sont des monts en effet. Le mont à Rime, le mont à Sifa, le mont à Cédi. Il faut traverser des déserts. Il faut tomber dans des crevasses. Il faut attendre un guide qui vient et ne vient pas pour accéder à l'étranger. On dirait un océan. Vous avez l'équipage qui se prend pour un vaisseau. C'est un océan, en effet, la mémoire du quartier, plein d'îles englouties, de radeaux héroïques et de couchers de soleil. La délégation descend la rue Henri-Dunant, la rue des immeubles fantômes, pour aller au fin fond de la Rège. Ça sonne comme une région, et c'est toute une région, en effet, et elle s'inscrit aux actes du jour, à la vie du jour. On lui sert un café et une torgoule ou un tiakiri, selon, et elle repart, la délégation, avec une courgette sous le bras, cueillie au jardin de la Rège. Et elle remonte voir les AS au CMS. AS. C'est à peine plus étrange comme nom que assistante sociale. Vous vous rendez compte? Assistante sociale. Assistance, un mot contre lequel tout le monde a lutté. On était trop dans l'assistance, dites-vous. On faisait à la place d'eux, on s'y prenait mal. Et ce mot qui reste pourtant pour vous désigner et qui insiste et qui traverse les époques. La délégation poétique prend le temps de faire résonner la musique des acronymes et celle des regroupements de paroles qui ont lieu dans vos murs. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette émission de la Radio HDR, une émission qui vous est proposée par Philippe Ripoll et par la Radio HDR, donc émission de radio, puisque nous enregistrons tout l'échange de ce matin, puisque ce matin, c'est la poursuite de ses mémoires du futur, l'ouvrage de Philippe Ripoll qui devrait sortir chez l'Harmattan début 2010. Mémoire du futur qui dure depuis 2007 maintenant, puisque Philippe Ripoll a posé son baluchon sur le quartier du Châtelet, de la Lombardie, des Vieux Sapins et de la Grand-Mare depuis le dernier semestre 2007. Et nous voulons, à travers ces émissions que nous allons enregistrer dans plusieurs endroits du quartier, poursuivre avec différents publics ces mémoires du futur, puisque Philippe Ripoll va nous faire une lecture performance ce matin, mais une lecture performance qui, on l'espère, trouvera un écho en vous, puisque je serai pas une sage-femme, j'aurais pu être une sage-femme, mais je serai un sage-homme ce matin, vous aider à accoucher de vos paroles, de vos mémoires, de vos réactions aussi sur ce texte.
Vous aurez droit d'applaudir, vous aurez droit de manifester aussi par des rires, mais je viendrai aussi vous débusquer avec vos micros, avec mon micro, vous faire réagir sans violence, hein, bien entendu. Mémoire du futur, Philippe Ripoll, une heure et demie, peut-être un petit peu plus, peut-être un petit peu moins, en tout cas, c'est parti. Et sur le mode de l'échange et non pas du spectacle, hein. C'est très important, et cette démarche-là qui commence là avec vous aujourd'hui, qui va se continuer jusqu'au 8 décembre, a pour but en fait de faire en sorte qu'il y ait une sorte de co-signature de ce livre. J'emploie ce mot-là, une co-signature symbolique, et simplement le fait que les uns et les autres, habitants, professionnels, travailleurs, etc., puissent se sentir investis par ce livre, positivement et négativement, d'un point de vue critique et d'un point de vue de reconnaissance. Hein. Toutes les positions sont évidemment désirées, et faire en sorte que lorsque le livre sortira, on sera beaucoup à le défendre, non pas défendre ce livre-là, mais défendre ce qui s'y joue et ce qui évidemment concerne ce quartier et à travers ce quartier le monde. Dans le CMS, c'est vacarme dans la petite pièce vestibule du CMS, réfugié entre le bureau des secrétaires et les bureaux des AS. Pour venir, vous avez traversé la vaste et paisible salle d'accueil. Remarquez tout de suite à droite le petit coin café, cuisine, pour les pauses, le midi, coulisses ou reprendre souffle, reprendre centre ou bien reprendre vie popote. En face, les bureaux de la PMI, pédiatre puéricultrice, sur la droite, le bureau des secrétaires que vous traversez, et cette salle donc en vacarme convivial et rire avant, disent-elles, le pharma était juste là. On montre la porte, une porte de derrière qu'on n'ouvre jamais maintenant. C'était le pharma, là, présence nette, énorme dans leurs yeux. Justement, moi, j'ai traversé le Farman, l'immeuble disparu. Je m'étais garé de l'autre côté, dans le vide, et je les entrevoyais comme des ombres vives derrière les vitres du CMS, et j'ai traversé le Farman, j'ai marché dessus. Le Farman, c'est de l'herbe à présent et de la boue aux chaussures, saletant. Je frappe au carreau. On ne passe plus par là maintenant. Ah, je ne savais pas. Mais on est allé chercher la clé, et on m'a ouvert, et on a mis deux tables en carré, et on est là autour. Ça fuse, la parole est une polyphonie, tout le monde parle en même temps, mais on ne va pas dire que c'est cacophonie. On sent bien que la parole est habitée, structurée par des rythmes, le rythme de la mémoire, de l'histoire vécue, traversée. Les voix vont ensemble, composent ensemble le moment de parole. Le moment de parole est un moment de composition sociale, musicale et sociale. L'ordinateur de l'aveugle demandeur va souffler comme une basse continue, et quand ça va s'arrêter, on va comme se retrouver dans les limbes, dans l'air léger du silence autour de la table. On ne se rendait pas compte, disent-elles dans un soupir de soulagement, on n'entendait pas le bruit, le souffle que vous faisiez avec votre ordinateur. Et maintenant, il faudrait qu'un musicien s'attelle à retranscrire la partition des voix avec leurs timbres et les rires, et que, sobrement, il interprète ses voix-visages et ses voix-mémoires. Quelque chose fusionne à l'intérieur de la ville qui écoute, mais la musique n'est qu'ici en mots, dans un silence qui aime beaucoup et qui voit tout en ondes. Arrivé. La stagiaire arrive, la voilà qui arrive. Elle n'a aucune image, elle arrive. Elle est nommée là, elle arrive. Elle arrive avec la pluie, c'est elle qui est nommée, elle arrive. J'arrive, tu arrives, elle arrive. Elles arrivaient, elles arriveront. J'arrive, j'arrive. Elle n'arrive pas, qu'est-ce qu'elle fait? La voilà, c'est pas elle, qu'est-ce qu'elle fait? J'arriverai, tu arriveras, elle arrive. J'arrive, elles sont nommées, elles arrivent, on arrive. Elles arrivent, on n'y arrive pas. J'arrive, on arrive.
On m'avait conseillé de suivre les landaus. Mais non, personne. Ce jour-là, j'ai pas eu de chance, pas un seul landau. Personne en landau. Je venais de Bretagne et je n'avais aucune image. Aucune image du quartier, mais je savais que c'était un quartier difficile. Et il pleuvait et c'était en plein travaux. En plein travaux du Théor et le Farman était en démo. En démolition, j'ai tourné, pas moyen de trouver le centre médico-social, personne. Personne n'a pu me répondre, pas même la poste, personne. Personne ne connaît, il faut dire, la PMI. Si tu dis centre médico-social, ça ne marche pas, il faut dire PMI. En désespoir de cause, on m'avait conseillé, vous n'avez qu'à suivre les landaus. Mais non, personne. Faut dire, 200-300 naissances par an dans les années 80, on est passé à une petite centaine. Moi, dit l'autre AS, je suis arrivé, moi, en 2005, et aujourd'hui, c'est toujours l'hémorragie, c'est vide. Il y a dans les récits d'arrivée, dans le quartier, dans les récits des assistantes sociales et des puéricultrices et des secrétaires et des pédiatres et des agents d'entretien, il y a comme un poème, comme le poème d'un personnage unique arrivant et arrivant encore, rejouant et variant encore son arrivée et augmentant le sens d'une réalité qu'on ne réalise jamais vraiment. Comme le mot « assistance ». Qu'on ne réalise toujours pas, coincé qu'il est entre le mépris, la concession, la moralisation et l'honneur qu'il y a à seconder la vie en difficulté. Le mot « assistance » sur la scène des mots devient public. Assemblée bienveillante et aidante, assemblée critique d'elle-même aussi, et de toute la société dont elle est l'oreille et la voix, la surdité et l'aphonie. La deuxième stagiaire prend la parole après la première et dit toutes les couleurs qu'elle a entendues. « On va brûler ta voiture !» Et qu'est-ce qu'elle fait, elle ? Elle cherche à se procurer une vieille voiture. Ah, je m'attendais à des usagers violents, à des signalements à tout va, mais c'est... plus calme maintenant, il y a moins de monde. Maintenant, c'est l'hémorragie, c'est vide, ce qui est vie, violent. Maintenant, c'est ça. Le vide. Plus beaucoup de commerce, parce que plus beaucoup de monde solvable. Pour acheter. On avait, disent-elles, des représentations toutes faites qui correspondaient partiellement à la réalité. Les moutons qu'ils égorgeaient dans la salle de bain. Moi, j'ai connu ça, les moutons, dans la cave et puis dans l'appartement. On les entendait bien, les moutons. J'ai connu ça, les moutons. On les entendait bien, les moutons. Ils le sentaient. C'était folklore. Tu te rappelles, un jour, ils avaient appelé la police et les policiers coursaient les moutons dans la rue. Mais maintenant, c'est codifié. Tout, ça se fait à... l'abattoir. J'ai connu une famille de Marocains qui faisait un brasero au milieu de la salle sur du parquet. Ils faisaient leur cuisine comme ça, donc il a fallu, voilà. Il n'y avait pas d'interprète, c'était par les gestes qu'on communiquait. J'ai dit que c'était pas possible. En fait, ils étaient très, très à l'écoute de ce qu'on pouvait leur dire. Moi, je suis arrivé en 79, et il n'y avait déjà plus de fonctionnaires dans les immeubles, les enseignants n'y étaient plus déjà, la police non plus. J'ai vu à partir des années 81, 82, 83, ça a été la dégringolade, faut voir, c'était plein, plein, plein. On était à 27 000 habitants et le chômage arrive là-dedans comme une faucheuse. Et le regroupement familial et les nouvelles vagues d'immigration se télescopent, obligés de vivre ensemble, parqués dans des impasses, des labyrinthes. Rien de pire que d'avoir des mauvais voisins, rien de plus voisin que d'être de jour en jour dans du pire.
Moi, j'étais la quatrième sur le poste en 2 ans, un turnover pas possible. De toute façon, ça sert à rien. On me disait, vous ferez comme les autres, vous partirez. On était 3 ou 4, la Croix-Rouge était dans les locaux. C'était les allocations mensuelles renouvelées tous les 3 mois, les tickets de pain, les tickets de viande, 10 francs de pain et de viande par semaine, les queues pour les tickets, les longues queues pour ces tickets. Ça sert à rien, on me disait, vous ferez comme les autres, vous partirez. Je me rappelle quand je suis arrivé, c'était des files d'attente indignes. Au début, j'étais perdu, je ne comprenais rien aux dossiers, aux familles avec 5 noms différents. C'était des violences conjugales inouïes, des violences inouïes. J'ai mis plus de 6 mois à connecter. Les familles françaises, c'était le quart monde. Moi, quand je suis arrivé, ça sentait l'inceste. Quand je suis arrivé dans le quartier, c'était le quartier de l'inceste. Quand je suis arrivé, comment j'en ai bavé. Et les immeubles étaient pleins, ils étaient pleins. Au Clément Adair, il y avait la cage d'escalier, la cage des repris de justice, la cage des mères célibataires, la cage des alcooliques, la cage. Il y avait les tours de maghrébins, les tours de noirs, il y avait le huissement, le bailleur y avait mis toutes les pathologies, il n'y avait que des malades là-dedans, que des malades mentaux là-dedans. Moi, quand je suis arrivé, comment j'en ai bavé et comment j'ai, au bureau des AS, à cette époque, on plaçait à tour de bras, qu'est-ce que ça veut dire, on plaçait? Ça veut dire qu'on glaçait les familles avec les menaces, les mesures de rétorsion et les enlèvements d'État sans explication. Le parent là-dedans, c'était Peanuts. Alors, dit le premier jour, il y a un père qui vient et qui m'insulte. Si ma gamine est placée, vous aurez affaire à moi. J'avais 350 familles à gérer. 350, c'était de la folie. Quand je suis arrivé sur le quartier, quelle réputation des assistantes sociales et comment j'en ai bavé et comment j'ai renversé la vapeur. Moi, quand j'ai pris conscience que j'étais la 7e sur le poste, la Lombardie, le mot, la chose, je trouvais que c'était agréable, les immeubles, le cadre, j'ai pris mon poste et là, la désillusion est vite arrivée, la collègue était en arrêt maladie pour un mois, le ciel m'est tombé sur la tête. À peine le temps de manger des dossiers multipliés par 10 par rapport à mon poste précédent, une charge multipliée par 10 et une équipe réduite et un isolement complet. Et j'ai pris conscience que j'étais la 7e sur le poste et les gens en avaient ras-le-bol de raconter pour la 10e fois leur histoire. Quand il n'y a pas d'équipe, vous êtes cassé. Ma priorité, c'était de quitter le secteur. Au bout de 2 ans, pendant 6 ans, j'ai essuyé 1 à 2 refus par an. Ma mutation au Châtelet, je ne l'ai obtenue qu'en 97. Moi, j'ai postulé ici, contrainte et forcée, en octobre 91, juste après, ils démolissaient le Clément Adair et le Branly. Au bout de 15 jours, je me disais, je suis arrivé dans une maison de fous. De toute façon, ça sert à rien, on me disait. Vous ferez comme les autres. Vous partirez. Notre secrétaire mettait une blouse blanche. Oui, une blouse blanche. Certaines familles la prenaient pour un médecin ou une infirmière. Ça mettait une barrière. Ça lui donnait un pouvoir sur les familles. C'est qu'on était en première ligne. Nous, les secrétaires, tout passait par nous et se passait sur nous. Les souffrances, les colères, les haines. Les familles qui descendaient du Farman venaient en robe de chambre et en chaussons. Et nous, dans le petit appartement, dans le tout petit bureau, quand ça se passait mal, on était fait comme des rats. Ça m'est arrivé une fois à un jeune qui avait pété des plombs et qui m'a retourné le bureau. Pas souvent, une fois. La première semaine, tout de suite dans le bain, pas le temps de déjeuner, séance de vaccination, 90 personnes dans l'après-midi de 13h15 à 19h30. On est allé jusqu'à 120 personnes en juin 94, 120. À l'époque, on apportait les urines, ça dégoulinait sur les mains. On n'avait pas de gants, c'était pas organisé, on nous parachutait là, sans préparation. Les AS ne recevaient pas sur rendez-vous, c'était l'attente à 1h30, plus de 40 personnes attendaient aux portes. Et c'était en même temps que les consultations de nourrissons, le secrétariat n'était pas cloisonné, les gens pour avoir leur place prenaient des chaises, il n'y avait pas de confidentialité dans la salle d'attente.
C'était un nuage de fumée, une tabagie. L'odeur, pour moi, c'est l'événement. L'odeur. J'ai su ce qu'était le shit. Toujours des jeunes en permanence sur les marches, je ne savais pas quelle attitude avoir. Leur dire bonjour ou pas, on me disait non, si tu leur parles. Si tu leur parles. On avait eu ce positionnement de ne pas intervenir. On a eu peur pour notre collègue quand elle est intervenue, toute seule. Oh, oui, j'aurais peut-être pas dû, j'avais la frousse à l'intérieur, je les trouvais très beaux, ces jeunes, devant la boulangerie. Vous me touchez beaucoup. Est-ce que je peux vous prendre en photo? C'est quoi ce truc? Tu te fous de ma gueule? T'as des micros dans les cheveux? Tire-toi, tu veux mon cul en photo? C'était mon premier poste. Il y avait un conflit grave dans le service entre puéricultrice, AS et médecins. Le calvaire! Une secrétaire pas facile à qui il fallait demander l'autorisation pour faire pipi. Éclat de rire et cacophonie. Pas le temps de découvrir le secteur dès le deuxième jour. J'étais plongé, j'ai pas eu le temps de faire ouf. J'ai dû accueillir une famille en crise le troisième jour, obligé d'accueillir une travailleuse familiale en larmes à cause d'une famille qui se battait à coups de couteau. Les enfants étaient déjà placés, le psychiatre ne voulait plus voir cette famille qui l'avait menacée, le cauchemar. La veille de Noël, un homme tue sa femme à coups de carabine. Avec notre collègue, on a reçu la famille effondrée. On les a aidés pour les obsèques. Le cauchemar. Les enfants recueillis à l'aide sociale en recueil temporaire. Le calvaire. Des gens qui venaient chercher des secours d'urgence qui hurlaient dans le centre tous les jours. Le calvaire. En janvier, février 88, on était tous en état de souffrance, ils ont fermé le centre, on était tous en arrêt maladie. Un peu plus tard, il y avait deux voisines dans l'Aldébaran qui se traitaient de salope, putain, sale coche, tu vas voir, je vais te faire la peau. Il y en avait une qui avait eu le culot de mettre du plâtre sous la porte de l'autre. Elle pouvait plus ressortir, oh là là! Le mari était fossoyeur, la maman hyperalcoolique, ils avaient trois enfants, le dernier à peine quelques mois. On la suivait de très très près. Elle avait fait une cure de désintoxication. J'y croyais vraiment. Elle remontait la pente. Je revois les filles à chaque fois. Elle m'embrasse. C'est une des premières familles où j'ai eu l'impression d'être en échec. Elle s'est suicidée par l'alcool. Le mari algérien est allé retrouver sa femme au pays pour élever les enfants. Moi, ce qui m'a frappé quand je suis arrivé, il y a plus de 20 ans, c'est la violence physique. On se cassait la figure, c'était une manière de communiquer, d'échanger. Alors Philippe Ripoll, vous nous ménagez pas d'entrée. L'atelier de patience, le travail social comme mémoire vive du quartier, manifestement, ça trouve un écho en vous. On a ri même sur des passages très 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 difficiles, à croire que c'est un quartier où on ne travaille que dans la difficulté. Si on n'écoute que ce passage-là, oui, non, c'est exagéré. Non, c'est pas exagéré. C'était ça. Mais vous en rire, il y a aussi de la poésie, il y avait autre chose, il y avait aussi des bons moments. Mais on peut pas l'occulter, tous ces moments-là. Vous le dites en souriant. Vous êtes éducatrice sur le quartier, et ce qu'il a évoqué pour des assistantes sociales, un éducateur ou une éducatrice vit la même chose. Vous pouvez prendre le micro. Hein. Bien sûr, on vivait la même chose puisqu'on travaillait avec les AS, et
Bien sûr, ce qu'elles ont raconté, c'est le vrai, c'est du vrai, c'est du vécu, et toutes leurs difficultés à l'interne, oui, c'était ça. Elles étaient en souffrance, ça c'est sûr, et elles sont restées, ça c'est pas encore dit, mais c'est peut-être ça la poésie, c'est qu'elles sont restées. Donc elles y ont cru, et la population les a reconnues aussi, elles font partie... On a une chance fabuleuse, c'est qu'elles sont restées. Donc à travailler aussi, à accompagner les parents et les jeunes. Et les jeunes, elles leur parlent maintenant. Hein. Donc ça aussi, ça a changé. Donc c'est pas morbide tout ça. Et vous, votre première rencontre avec des AS sur le quartier, souvenir? Je me rappelle plus bien, c'était peut-être... je ne sais plus, il y a un appartement avait cramé, et puis par exemple ça ne devait pas être le premier, mais c'est un très vieux souvenir, et c'est une famille pourtant qu'on accompagne encore. L'appartement venait de cramer au Châtelet, la maman était relogée à la Lombardie. Et ça allait tellement mal, il y avait tellement de violence, il y avait tellement de drogue, les enfants souffraient, c'était une horreur. Donc une AS nous avait appelés, c'était vraiment la cata, et c'est toujours malheureusement la catastrophe. Mais c'est aussi ça le quartier, il y a aussi eu d'autres situations qui ont eu des élaborations de vie plus douces. Là on est toujours dans la douleur. Des enfants qui ont été... Je crois que c'est... En plus, c'est une des enfants... Nous avons été obligés de requérir l'incarcération d'une jeune pour la mettre en protection. Requérir pour un éducateur une incarcération, c'est le choix le plus horrible que nous ayons eu à faire. Heureusement, on l'a fait en équipe, mais on était tellement persuadés qu'elle allait mourir dans la rue, trucidée. Donc c'est toujours la même situation. Donc c'est aussi ça. Donc c'est voilà ça. Vous êtes un certain nombre d'assistantes sociales là, ou de personnes qui travaillaient, donc secrétaires également d'assistantes sociales. Je viens au hasard. Hein. Bah vous, par exemple. Ah, moi, justement. Alors moi, je me présente, je suis secrétaire au centre médico-social du Châtelet, mais pas celle qui a été décrite quand même. C'était une ancienne collègue. Et c'est tout à fait... Oui, parce que j'ai revécu tout à fait, parce que c'était une collègue et qui arrivait parachutée à sa décharge. Elle avait été... parachutée chez nous, et elle était auparavant dans un bureau à faire de l'administratif, n'avait jamais côtoyé, ne savait pas ce qu'était un quartier, accueillir des gens. Et c'est vrai que, ben oui, on a vécu des choses pas drôles. Et tout ce que Monsieur Ripoll a décrit là ce matin, nous l'avons vécu. Et c'est vrai que si on est resté, c'est pas par hasard. Effectivement, on a eu des conditions de travail très difficiles. Mais on a élaboré aussi en équipe, mais heureusement, équipe, quand on dit équipe, c'est parce que les personnes sur le terrain étaient là pour un mieux-être pour la population. Ce qu'on vivait était vraiment difficile, mais on avait aussi des bons moments. C'est-à-dire qu'on a donné beaucoup, mais on a reçu énormément. Et... Ah, des bons moments, mais il y en a tellement. Il y en a tellement que... À tout point de vue. Oui. Moi, je rejoindrai un peu Sylviane. Hein. C'est effectivement, Sylviane est antérieure à moi au niveau de son arrivée. Mais c'est vrai que c'est un secteur qui dure. On y est resté. Mais je crois aussi, enfin, je ne crois pas, j'en suis sûre, que les gens nous ont donné aussi. Hein. Il n'y a pas, on n'a pas, ça n'a pas été en sens unique. C'est-à-dire que moi j'ai la sensation, mais je pense que mes collègues aussi, quand on arrive ici, on pense qu'on peut faire monter 4 marches aux gens. On s'est aperçu que
Parfois, on en faisait monter qu'une et parfois une demi, et que cette demi avait été élément énorme, pas comme ça, c'est pas énorme. Et puis, là, il y a eu la chaleur des gens. Moi, quand je suis arrivée ici, je me souviendrai toujours de la première fois, les gens qui étaient là m'ont dit, les collègues, viens pas ici, c'est pourri, enfin, il faut pas venir ici. Non, t'es folle, enfin, bref. Je ne connaissais pas ce quartier. Moi, j'habitais Biorel, je faisais mes courses à ce qui s'appelait les arcades. Voilà, je venais aux arcades, et jamais, j'avais franchi l'autre côté. Et l'autre côté, c'est pas l'autre côté du périphérique, mais c'est un peu ça. C'est-à-dire, quand je suis arrivée ici, j'habitais de l'autre côté, je faisais les arcades, et là, je me suis dit, c'est pas possible, c'est autre chose. Et ma première vision du quartier, j'ai été emballée, je me souviens, parce que il faisait un temps magnifique quand je suis venue voir le poste. Il y avait un marché gigantesque qui commençait du CMS à peu près jusqu'à la banane et des deux côtés. Et il y avait une population multiculturelle. Et je me suis dit, c'est super ici. Voilà. Donc, c'est super. Ça a été un peu, peut-être, une des raisons, entre autres, pour lesquelles j'y suis restée. Merci, Françoise. Je voudrais rebondir aussi sur ce que vient de dire ma collègue Françoise. Pour moi, c'est le contraire. J'ai connu ce quartier quand j'avais 22 ans, au retour de l'Allemagne. J'adorais ce quartier. Et je venais déjà à la maison de quartier, à la maison des jeunes. Et c'est vrai que jusqu'à 2-3 heures du matin, on parlait, on refaisait le monde. Et c'était extraordinaire. Et après, j'ai choisi de venir travailler sur ce quartier. Et bien que je connaissais la réputation des Hauts-de-Rouen, c'est vrai que j'y ai trouvé une population qui était en très grande souffrance, mais en même temps, une mixité de population, mais extraordinaire. Je trouve ça toujours très touchant. Et fabuleux de voir les différences des familles, notamment. Je trouve une diversité de familles. C'est vrai qu'il y a toutes les couleurs qui se côtoient. Et moi, ça me touche de très près. Et je voudrais simplement dire aussi auprès des familles, ce qui est fondamental, c'est bien. Moi, quand je suis arrivée, on disait, tu suis combien de familles? Ça me faisait rire, je leur cours derrière. C'est l'accompagnement qui est important, c'est fondamental. C'est faire avec le parent. Moi, je trouve qu'il y a vraiment un élément, et comme disait Sylviane, le travail en équipe, c'est fondamental. Sinon, on est isolé, on ne s'en sort pas. Je trouve que c'est vraiment le travail en équipe qui est très dur, parce que ce n'est pas facile. C'est bien plus facile d'être dans son coin. On ne s'occupe pas de Pierre-Jacques-Paul ni de l'autre. On suit ses petites situations. Mais l'efficacité auprès du parent, à chaque fois, j'ai pu le noter, quand on fait de l'accompagnement et qu'on fait un travail en équipe, notamment aussi avec la REJ, on travaille très régulièrement avec le club de prévention. On est très complémentaires à ce travail-là. Donc, je voudrais dire vraiment qu'il y a des familles extrêmement riches et touchantes. L'atelier de patience, le travail social comme mémoire vive du quartier, la radio HDR à l'école du Bélay, Philippe Ripoll. Un travail de patience, et vous savez, bon, ça fait donc un certain temps que je travaille à ce chantier, si je puis dire. Et avec la conscience très vite, mais là confirmée, et aujourd'hui encore plus que jamais confirmée, l'idée, le désir, le souhait d'écrire un deuxième tome, mais où la notion de travail, tous azimuts, travail des professionnels, mais aussi travail du côté des habitants, du côté de ceux qui, des citoyens, comment la mémoire est accrochée à l'enjeu qui n'a jamais cessé d'être la sienne. Du futur, de l'avenir, comment on peut effectivement mettre en travail tout ça et ce descriptif parfois qu'il faut prendre comme ça sans trop de concessions n'est pas fait, comme le disait Marie, du tout dans un esprit de morbidité même déguisé, mais bel et bien comme une manière de faire face. L'atelier de patience, donc. Éveil au sol. Quand on en rêve la nuit, dit l'une, on sent que ça va rester. Toutes on a rêvé à un moment donné de situations qu'on nous a évoquées, relatées, qu'on a vécues. Comme au milieu de la nuit,
on se retrouve dans la salle du CMS, puéricultrice, AS, secrétaire et pédiatre, avec du silence en partage. C'est le moment qu'elle juge juste pour raconter et nous pour écouter. C'était la fin de journée, dans la salle d'attente, il restait une maman avec son bébé de 10 mois. Il n'arrêtait pas de geindre. On entend le bébé geindre. Il ne pleure pas, il ne crie pas, il geint. On l'entend autour de la puéricultrice qui, aujourd'hui, raconte. On redescend dans le silence avec elle, la puère. C'était la fin de journée. Pendant des années, j'ai eu du mal à gérer cette émotion. Ça se passait dans la salle d'attente. À ce moment-là, je faisais de l'éveil du tout petit au sol, dans la salle d'attente, pendant la consultation. Et ce jour-là, on avait fini quasiment. Il ne restait qu'une maman avec son bébé. Donc, moi, j'étais au sol, au tapis. Et cette maman était avec ce bébé qui avait à cette époque 10 mois. C'était un bébé qui n'arrêtait pas de geindre. Il geint. Ce côté bébé geignard sur le plan émotionnel, je ne supporte pas. Ça sent. Il geint. Cette maman était assise sur un fauteuil. Je lui dis, eh bien, venez. La voix allonge les sons, se souvient de l'invitation. Le bébé geint. Venez, on va voir avec votre petit bébé comment ça se passe. Venez. Toute la ville est dans le corps de la puéricultrice, à genoux, sur le tapis, fesses sur les talons. Et alors, elle met le bébé sur le tapis et elle se rassoit dans le fauteuil. Toute la ville regarde le bébé sur le tapis. Moi, j'étais bien embêté. Je voyais ce bébé qui geignait, qui était mal comme tout. Je me disais, ça faisait quoi ? Ça faisait 4-5 ans que je faisais de l'éveil au sol. Et ce jour-là, ce moment-là, je ne supportais pas ce bébé qui geignait. Donc, je demande à la maman la permission de le prendre dans mes bras, ce que je ne fais jamais. Cette maman, intriguée parce que je m'adresse au bébé, je lui dis « Je vais te prendre dans mes bras parce que maman m'autorise que je te prenne et je vais voir avec toi si tu peux te calmer. » Et cette maman, du coup, intriguée par ma manière d'être avec le bébé, s'approche et s'assoit à côté de moi sur le tapis. Toute la ville est dans le corps de la maman intriguée et regarde et attend. À ce moment-là, j'ai le bébé dans mes bras, la tête tournée vers l'extérieur. La maman est à ma droite et donc je le mets comme ça, bien maintenu. Toute la ville est l'extérieur vers quoi le bébé est tourné. Et à ce moment-là, la maman me raconte son histoire que je ne connaissais absolument pas. Alors, c'est un bébé qui avait été 17 heures en réanimation et qui n'avait pas arrêté de geindre depuis sa naissance. Toute la ville est dans le corps du bébé qui n'arrête pas de geindre depuis sa naissance. Donc, la maman était habituée, il geignait tout le temps, il ne pouvait ni sourire ni avoir des moments de calme, c'était pas possible. La salle du CMS s'agite à propos de rêves et de réalités. D'autres histoires se précipitent à la surface chaotique des bouches qui veulent dire et délivrer et en même temps taire et faire taire. Toute la ville s'agite dans les corps qui sont là comme un besoin de ne pas entendre.
Et du coup, la maman me dit, oui, et puis il faut que je vous dise. Celle qui raconte parle de l'empathie qu'elle a transmise entre la maman et l'enfant. Transmise, délivrée, je ne sais pas. Non, elle dit l'empathie que j'ai donnée à l'enfant et à la maman. Elle dit le moment de calme empathie entre les trois. Et toute la ville prend le temps, non du pathos, mais de cette calme empathie. Il faut que je vous dise, durant ma grossesse, mon mari m'a lancé des coups de pied dans le ventre. Toute seule dans la salle d'attente, toute seule, tous seuls dans la salle d'attente avec le bébé, le médecin qui était en consultation à côté avec un autre bébé, et à ce moment-là, je m'adresse à l'enfant et je lui dis, mais dis donc, ça n'a pas dû être facile pour toi quand tu étais dans le ventre de maman. Et à ce moment-là, le bébé s'arrête de geindre. Il me regarde. Et il me fait celle qui raconte mime les trois notes d'acquiescement du bébé. Je ne peux pas vous dire. Et la maman qui me dit, mais c'est pas possible, il vous a entendu, il vous a écouté. Toute la ville se glisse dans les frissons d'une puéricultrice qui s'impressionne encore aujourd'hui du pouvoir ouvrant de la parole. À partir de là, la relation a été toute différente puisque du coup, elle a vu qu'elle pouvait s'adresser à cet enfant et cet enfant, du coup, s'est retourné. Il a basculé et il m'a regardé. Il n'a plus du tout été dans le vague. Il m'a regardé. Et à ce moment-là, je lui ai dit, eh bien, si tu veux bien, je vais te mettre sur le tapis. Et du coup, on va discuter ensemble. On va parler ensemble. Tu vas voir. On va essayer de travailler ensemble. Et à ce moment-là, la maman me raconte qu'il a un kiné qui vient deux fois la semaine pour ouvrir les mains parce que c'était un bébé qui fermait, bloquait ses mains, gros problème neurologique à la naissance. Et donc, un kiné qui venait deux fois la semaine et je demande comment ça se passe avec le kiné? Est-ce qu'il parle avec le bébé? Est-ce qu'il essaie de voir un peu comment ça se passe? Non, il le prend, il lui ouvre les mains, geste brutal. Du coup, il est au sol. Je m'adresse au bébé, je commence à lui demander « Bon, bah, qu'est-ce que tu es capable de faire? Est-ce que tu te mets un peu sur le côté ?» Enfin, je discute un peu avec le bébé par rapport à son développement. Et il commence à se débloquer un peu, et à la fin, sans que j'intervienne du tout, il ouvre ses mains. La maman, je n'avais jamais vu mon fils ouvrir ses mains comme ça, spontanément. Toute la ville s'ouvre. À ce moment-là, qu'est-ce qui ouvre la porte? C'est le médecin. Il y a l'autre bébé qui sort. Je dis à Madame Desforêts, voyez, il est détendu, ses mains sont ouvertes, on n'avait jamais réussi à lui ouvrir. Et elle dit, c'est bien. Accepteriez-vous que la puéricultrice continue à domicile? La maman enchantée, oui, très bien. Toute la ville s'enchante. Pourquoi c'est difficile? La maman enchantée dit, très bien, on va commencer si vous voulez bien. Sauf que un bébé qui chante, je ne supporte pas, c'est signe de « je ne supporte pas ». La maman enchantée dit « très bien, on va commencer si vous voulez bien ». Sauf que je partais en congé 3 semaines.
Au retour de vacances, le bébé était décédé. Je suis... Annie est intimement persuadée que le bébé s'est laissé mourir. Le bébé s'est laissé mourir et personne pour entendre. Personne qui était là, personne pour entendre. Pourquoi je suis... Voyez, c'était un enfant hyper handicapé. Pourquoi je suis... On pouvait lui permettre d'être un enfant et pas seulement se polariser sur son handicap. Ce que je dis toujours, handicapé ou malade, il faut aller à la personne. C'est vrai, je le raconte à chaque fois, en formation, à chaque fois, la distance. Mais à chaque fois, pourquoi je suis parti en vacances ? La maman a eu un autre bébé, je me dis, Annie se dit. La maman souffrait, c'était épuisant, ses gémissements, elle n'en pouvait plus. Annie se dit, peut-être que ce moment-là, ce contact retrouvé, peut-être que ça l'a aidé pour l'autre enfant, peut-être, je ne sais pas. Un jour, j'étais à la piscine, dehors, dans un transat, pas loin de la pataugeoire. Elle était avec son autre bébé. Elle est venue m'embrasser. Je ne sais pas ce qu'elle est devenue. Elle est venue m'embrasser. L'atelier de patience, le travail social comme mémoire vive du quartier. Une autre facette, beaucoup moins de rire, beaucoup d'émotions là, beaucoup de silence. Difficile d'ailleurs de reprendre la parole, en plus sans en rajouter, mais je tournais la tête et je regardais le quartier, puisque nous sommes au cœur du quartier, à l'école du Bélé. Et on voit les feuilles mortes qui s'envolent, le temps est gris et c'est vrai. Ces moments ultra difficiles, vous qui travaillez sur le quartier, vous les vivez et on reste malgré tout, parce que tout à l'heure, Marie, vous disiez que les assistantes sociales sont restées malgré les difficultés, mais quand il y a un drame sur ce quartier, et il y en a eu. À chaque fois de reprendre sa voiture ou de reprendre le bus pour venir ici ou de descendre de son immeuble quand on habite sur le quartier pour continuer à aller sur le terrain et aller faire face à ces réalités. D'ailleurs, qu'est-ce qui vous pousse quand même à continuer dans ces moments-là? Juste dire une petite chose, oui. En transition, oui. Suspensive pour vous passer la parole. Parce que je pense aussi que ce que j'ai entendu, moi, c'est que l'enjeu de parole était, voilà, que vous, assistante sociale, puéricultrice, éducateur, vous étiez dans la passation de la parole, dans ce que veut dire la parole. Et là, ce que je voulais simplement dire, c'est un grand merci à la personne qui est ici présente, qui est l'auteur de ce témoignage et qui est pour moi l'auteur d'une scène d'écoute fondamentale. Alors, bien sûr, c'est extrêmement éprouvant, mais j'ai essayé aussi, elle nous dira si elle retrouve cette dimension-là, de faire en sorte que cette situation extrêmement dramatique soit une vraie situation de travail, de transmission de travail, d'enjeux très profonds, très professionnels et très humains, et qui est le gage, en fait, de ce qui peut se tramer
dans toute la société, parce que là, me semble-t-il, et je vous laisse la parole, on est au cœur de ce que peuvent dire aujourd'hui les quartiers dits sensibles, et là, on est en plein cœur du mot sensible, ce qu'ils peuvent dire en profondeur et en grande utilité à l'ensemble de la société. Cette attention, hein, aucun triomphalisme, hein, personne aujourd'hui qui travaille sur le terrain ne cède à des triomphalismes ou à des propos comme ça qui, en moins de deux, résument et coupent les pieds sous l'herbe de l'être parlant. Hein, mais ça me semble être vraiment être le terreau. Donc je la remercie infiniment pour ce témoignage qui me reste vraiment en grande mémoire. On fait venir chaque matin, je pense que ce qui nous booste avant tout, c'est la reconnaissance des habitants et ce qu'ils nous renvoient. Et je dois dire que ça, c'est vrai que le soir, on peut partir avec des situations plein la tête, avec des choses parfois lourdes. Et quand on voit ce que nous renvoient les gens, et c'est un des moteurs essentiels. On vit des situations, comme je vous disais tout à l'heure, difficiles, mais aussi on a des échanges avec la population très touchants, très forts, très intenses. Et on est là depuis de nombreuses années, donc ils savent qui ils vont trouver. Et comme vous disiez tout à l'heure, Monsieur Ripoll, on connaît l'histoire des gens, ils ne vont pas réitérer à nouveau, ils viennent, c'est un échange souvent très riche et je pense qu'on en ressort toujours plus fort, pour ma part en tout cas, mais je pense que ça peut aussi être le moteur pour mes collègues. Ben, moi, alors, si je dis, par rapport au fait de revenir, je ne sais pas, c'est mystérieux. C'est tout ce qui fait les liens entre nous, dans l'équipe, avec les autres professionnels du quartier, avec tout ce qui se tisse, avec les habitants, voilà. Pour juste rebondir sur le petit passage qui a été lu et qui était très fort, je trouve aussi qu'il illustre quelque chose d'important, enfin, qui me paraît très important, c'est à la fois la nécessité, comme tout professionnel, d'être bien formé, reformé, de se poser des questions, de poursuivre toujours, d'affiner ses méthodes de travail, c'est enfin voilà, je pense que on voit bien où je vais. Ben, un peu Annie, l'éveil du tout petit, c'est quand même une formation après qu'elle s'est totalement appropriée, dont elle a fait de l'or, mais qui est effectivement un regard très pointu sur la relation et l'observation du bébé. Mais je pense que c'est vrai pour d'autres professionnels que les puéricultrices. C'est très important ça. Et en même temps, donc il faut être très exigeant, c'est pas toujours facile. Et en même temps, il faut accepter qu'il y a des choses qui nous échappent totalement, et heureusement. C'est-à-dire qui ne nous appartiennent plus, qui appartiennent aux familles, aux mamans, aux bébés, et qui appartiennent à la relation qui va se jouer. Donc c'est important de maîtriser un peu, tout en sachant qu'on ne maîtrisera pas tout. Et que du coup, il y a des choses et difficiles et magiques aussi, des fois, des belles choses. D'ailleurs, c'est quand même, il y a des moments magiques beaux dans cette histoire-là. Ce bébé qui s'arrête de geindre et qui regarde et pourquoi c'est la parole, c'est plein de choses aussi et qui restent mystérieuses. Et voilà, je pense que c'est ce double, c'est ce paradoxe entre les compétences et donc qui peuvent donner un pouvoir en termes de savoir-faire et puis ce qui nous échappe, et c'est important. Voilà.
Il y a des hommes dans cette pièce, ils peuvent aussi réagir. Merci Moïse. Oui, moi aussi j'étais très émue par le passage que Philippe vient de lire. Effectivement, je le rejoins par rapport à l'écoute et entendre. C'est vrai que moi je me dis toujours, qu'est-ce que les jeunes doivent faire un peu plus pour qu'on puisse les entendre ? C'est vrai, je trouve que brûler les bagnoles, symboliquement, ça veut dire quelque chose. Et je me dis, mais comment on pourrait les accompagner ? Parce que c'est un cri d'appel, c'est au secours, au secours. Et donc, comment on pourrait faire, au lieu d'envoyer, je veux dire, des forces considérables déployées, comme moi j'admire aussi le travail de mes collègues, enfin, et aussi les éducateurs du club de prévention, qui sont très peu nombreux, puisqu'il y a 20 ans, ils étaient autour de 20. Aujourd'hui, ils sont à peu près 6 ou 8 sur le quartier. Et je travaille très régulièrement avec eux, et j'ai appris depuis 3 ans doublement à travailler plus en complémentarité avec les parents et ensemble. Et je me dis, comment, si on avait des équipes, justement, d'intervenants beaucoup plus conséquents, et je rejoins ma collègue puricultrice, formés justement à l'écoute, au conflit, à la gestion des conflits qui sont quand même, quand on est en souffrance, comme on dit, la misère, c'est pas de l'incapacité, c'est pas parce qu'on est pauvre qu'on est incapable, impossible de réagir. Et donc là, c'est vrai qu'il y a effectivement quelque chose à créer ensemble. Et pour aider ces jeunes, je veux dire, c'est vrai que moi, ça me touche toujours très près quand ces jeunes brûlent leur voiture. Qu'est-ce que ça veut dire symboliquement et comment leur filer un coup de main ? Philippe Ripoll, à l'école du Bélé, Radio HDR. Parole poterie. La parole des habitants par grappe, par groupe, par touche, appelée et relayée dans un centre médico-social, chez des éducateurs à la Rège, à la CAF, autour de bénévoles de Solidarité Plateau, voisins du Resto du Cœur, à la Biblio du Châtelet, à la Radio HDR, à l'équipage, à l'APMAR, à la CEDI, à l'ARIM, à la CIFA. La parole des travailleurs sociaux, des assos, des bénévoles, mixés, malaxés, à celle des habitants, leur manière d'habiter le quartier en y travaillant. Leur manière d'y habiter, de vouloir ou de ne pas vouloir y habiter, cette parole mixée, malaxée, cette parole tournée dans un morceau de ville, c'est comme de l'argile tournée sur un tour de potier, argile composite et tour aléatoire, parole, objet insolite, fabuleux, fêlé, explosé, refondu dans la parole combustible, la parole poterie, la parole combustible. On cherche des images maladroites et sûrement encombrantes pour décrire une certaine façon de circuler dans le poème social. Poème social, poème documentaire. Qu'on adresserait par exemple à l'attention du poète Édouard Glissant afin qu'il bouge le miroir poétique de cette ville. Le poème social, c'est le poème composé par les relations incarnées et parlées entre des êtres humains en un certain temps et un certain lieu. C'est une manière de créer à l'intérieur de ces relations. De parler, de souffrir, de jouir, d'organiser parfois une survie, de parler la survie, et du même mouvement, ces manières de redonner à la parole sa fonction vitale. La fonction vitale de la parole se cherche autant que possible dans des situations où vitale veut vraiment et concrètement dire quelque chose, et non pas seulement dans un imaginaire individuel et intellectuel du vital, si vital soit-il. Être attentif au poème social, c'est aller en deçà ou au-delà du roman des conduites sociales, de l'organisation sociale, des rapports de force, et du récit de tous les inavouables que le romanesque met à jour, au jour. En deçà ou au-delà de l'immense négatif qui met les hommes en appétit de leur faim, de leur mort, et que l'espace médiatico-politique maquille, occulte, dénie, relance, décuple,
en empruntant la rythmique pulsionnelle des discours et des actes, et que le travail, le propre de l'art, de la littérature, cherche à toujours chercher à mettre au jour. Face à la logique des pulsions et des calculs qui leur sont attachés, le poème social est quelque chose souvent infime, souvent invisible, un rythme qui se tient en deçà et qui va au-delà. Le poème documentaire est le poème qui va s'intéresser au poème social, aux manières de dire, aux manières dont une société s'ouvre et se ferme au langage. On se rend compte, par exemple, qu'entre les habitants d'un quartier marqué par la relégation et les gens qui travaillent auprès d'eux, il y a une mémoire secrète, un pacte de vérité qui ne trouve jamais vraiment les mots pour se dire et qui parfois même se dénie et se réfugie dans des jeux de rôle. Mais le plus souvent, tous, ils observent conjointement les grands discours et leurs avatars, que sont les petits dispositifs qui leur tombent dessus. Ils les empruntent même, parfois en les surjouant, mais quasiment toujours, ils reviennent à cette manière d'être qui est de se regarder et de se demander comment faire pour créer de l'entraide. Le poème se trouve là, non pas dans un panégyrique de supposées bonnes intentions et autres glorieuses suppositions, mais dans l'observation des événements de langage entre des êtres humains qui ont une expérience partagée du naufrage, de l'incendie, de l'enlisement, de la catastrophe et de l'abandon. Ce sont des mots qu'il ne faut pas utiliser à la légère. Ce sont des mots curseurs qu'il faut manier avec prudence selon les degrés d'intensité et de réalité de ce qu'il désigne. Les quartiers sensibles montrent sensiblement une société qui fait effort en elle-même à l'endroit même où elle a échoué. Le poème social est cette sensibilité et cet effort. Un poète, si ce mot existe autrement qu'en nostalgie, n'est qu'une sonde lancée en communauté poétique, et c'est la communauté tout entière qui devient peuple poète. Toujours à l'école du Bellay, Radio HDR 99.1, www.radiohdr.fr, l'atelier de patience, le travail social comme mémoire vive du quartier, la parole qui est au cœur de votre métier, parce que sans parole, sans échange, on ne peut pas travailler avec les gens, on ne peut pas rentrer en contact avec les gens. D'ailleurs, sur ce quartier, il y a différentes modalités de don de la parole, d'échange de parole. Je me tourne vers Anne-Marie. Anne-Marie, alors vous n'êtes pas un travailleur social. On va dire vous êtes un travailleur culturel. Oui, on peut dire ça. Et vous avez travaillé sur des ateliers d'écriture. Et l'écriture qui sert aussi à donner la parole à des habitants qui sont en souffrance ou qui parfois ne sont pas en souffrance. Moi, j'estime que j'ai des travailleurs sociaux aussi. Je pense que le social passe aussi par la culture. Mais je me sens toute petite par rapport à ce que j'entends. Parce que, en fait, donner la parole par l'écriture, on se rend compte qu'en fait, c'est plus facile qu'on ne pense. C'est-à-dire que pendant des années, on faisait faire du macramé, on faisait faire des choses, voilà, et on pensait que les gens, on les occupait comme ça et on leur demandait pas leur avis. Et moi, je suis une vieille 68arde et je pensais que la culture pour tous, tout le monde était capable, tous capables. Et donc, je suis tombée sur un directeur de centre social qui a cru possible qu'on installe un atelier d'écriture sur les Hauts-de-Rouen. C'était en quelle année ?
C'était en l'an 2000, je crois. Oui, 2000-2001. Voilà. Et puis petit à petit, ben, mes collègues travailleurs sociaux qui ont été intéressés par le projet ben, se sont intéressés à ce qui se faisait. Et puis petit à petit, comme je suis rentrée dans le collectif et en particulier dans le collectif femmes, ben, nous avons tous travaillé ensemble sur l'écriture. Alors d'autres utilisent carrément leur voix. Là, je vois Hortense avec son rire déjà qu'on entend. Et Hortense, vous êtes une des voix du quartier qui porte en plus une voix du quartier qui a habité longtemps et qui habite encore dans le quartier. D'ailleurs, vous arrivez quand même à vous taire dans votre vie, parce que vous passez, on vous voit tout le temps en train de parler, souvent en train de rire aussi, et un rire qui vous permet d'entrer en contact aussi avec les gens sur ce quartier. Oui, je dirais un peu, je rebondis un petit peu au CMS, parce que je vois que par rapport à mes enfants qui sont nés sur le quartier, je suis venue habiter. Pour moi, c'est un village. Et quand j'allais à la PMI pouvoir peser mes enfants, tout ce sourire, une vie, l'accueil important. Et même, je reviens sur Sylviane, parce que je pense que c'est, elle est le moteur. Bon, j'ai d'autres collègues, assistantes sociales, puéricultrices, mais Sylviane, c'est toujours le sourire, toujours renvoyer quelque chose d'humain, humaniste. C'est même les assistantes sociales que je connais très bien, mais c'est vrai, je lis avec les collègues maintenant, j'étais pas collègue là, j'ai fait mon métier par rapport aux personnes, de voir comment ils travaillaient. Et puis surtout, je dirais, c'est l'écoute, l'accueil et le sourire. Et quand j'ai retrouvé au CMS quand j'allais, que mes enfants, j'ai un fils qui a 27 ans maintenant, et ma fille qui a 20 ans. Là, c'est quelque chose, pour moi, c'est une richesse, quelque part. Et je suis restée sur le quartier. Pourquoi ? Parce qu'en fin de compte, moi, je suis des Antilles. Et en plus, là, on vivait dans un village. Bon, les Toisilés, le village. Et tout le monde se disait bonjour, du plus grand au plus petit. Alors ici, moi, je voyais les gens, bon, il y avait le sourire et tout. Je dis, mais la première des choses qu'on dit le matin en se levant, ou même avec ses enfants, c'est dire bonjour, même un signe de tête, et ça, et puis un sourire. Même si les gens, bon, ils me connaissent pas, même si on se connaît pas, on dit bonjour, hein, comment allez-vous? C'est des choses qu'on a appris dans mon île, et c'est pour ça, ce village, je dis un village, c'est un village ici, pour moi. Et pour me taire, moi, je sais comment faire la part des choses, parce que j'ai été baignée dedans, hein, les grands-parents, les petits, les tantes et tout. Moi, je trouve que c'est merveilleux ici. Et je suis restée encore, et je pense que je resterai jusqu'à ma retraite. Oui, juste pour compléter ce que disait Hortense, je participe, et j'ai pas participé toute seule, mais au relogement des familles sur les Hauts de Rouen liées aux démolitions. Il s'avère que 50% des gens restent sur les Hauts de Rouen. Et dans ces 50% sont presque pour tous un choix. Et moi, j'ai été étonnée, hein, parce que on avait un petit peu la sensation que tout le monde voulait s'en aller d'ici, tout le monde voulait partir. Beaucoup de gens disent, nous, on souhaite habiter ici, on souhaite rester ici parce que ailleurs, on connaît pas. Et les gens qui sont partis sur d'autres secteurs, on en voit, hein, ce qu'ils regrettent tous dans un premier temps, alors après ils vous disent oui, c'est plus calme, il n'y a pas de voiture qui brûle, il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela. Mais ce qu'ils regrettent tous, c'est l'absence de communication quand ils sont ailleurs. Voilà, c'est tout.